Je m'appelle Gano Francis Xavier, je suis de la team Crossfight et mon dernier combat c'était à Levallois pour le 100% fight dont j'ai remporté la ceinture. J'ai fait le premier combat face à Bilal Tataï et j'ai gagné ce combat par KO. Et le deuxième combat qui était la finale c'était face à Nicolas Sept. Après j'ai gagné celui-là par soumission. Je ne me focalise pas trop sur la boxe, j'essaye de travailler plutôt le sol qui est mon point faible, qui est un nouveau monde que je viens de connaître. Voilà. Est-ce que tu connais ton adversaire, Francis ? Bon, à ce que j'ai appris, c'est un judoka. Très balèze, mais après, c'est sur le mur, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Francis, merci d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Je vais te laisser la parole. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis le premier déçu. Je te laisse t'exprimer. Je suis un peu déçu. Ça arrive, je peux comprendre. Et vu que mon adversaire, il s'est excusé. Voilà. Très fort, à la fin de cette soirée, bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme tu le voulais, pas parce que tu as perdu, mais pour autre chose. Est-ce que tu peux me parler de ce qui s'est passé? Ouais, au fait, mon adversaire, à la fin, il a signé forfait. Il a déclaré forfait qu'il n'était pas prêt. Et en plus, le combat ne devait rien lui rapporter. Ça ne devait rien rapporter à l'équipe, quoi. Puisque déjà, il venait n'étant pas prêt juste pour soutenir l'équipe, pour monter sur scène au cas où ça aurait été nécessaire. Et là, il ne va pas prendre le risque de monter sur le ring, sachant qu'il n'est pas prêt. Mais ça m'a quand même frustré. J'étais déjà dans le combat depuis un bon moment, quoi. Ça s'est passé comme ça et ça m'a un peu choqué. Tu restes sur une belle série de victoires avec une ceinture. Oui, oui, mais c'est pas suffisant, on s'arrête pas là. J'imagine. Mais bon, c'est pour te dire au plaisir de te revoir combattre, Francis. Et puis, comme tu t'es préparé, peut-être même trouver un combat dans une autre organisation pour que ta préparation n'ait pas été vaine. J'espère bien. Merci, Francis, pour cette interview. Et au plaisir de te revoir, Francis. Merci à toi aussi. À toi.